This is part of me. I don't know why. I don't know how, but it is me. Et salut à tous, c'est Fred, bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie qui va tourner autour de ce petit extrait audio que vous venez d'entendre. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, cet extrait audio, c'est un message ou une citation de Cortana dans Halo Infinite qui a été obtenue en fait via un membre de la communauté qui a découvert qu'un code QR se cachait dans l'affichage du HUD du Major dans le trailer Discover Hope de Halo Infinite. Et ça a mené à l'audio que vous avez entendu. Alors, pas l'image en fond, ça c'est moi qui l'ai rajouté pour donner une sorte de petit background. Et donc, c'est un message de Cortana qui était présent donc, depuis le début du trailer, mais qui n'a été trouvé que très récemment, à savoir la semaine dernière, au moment où j'enregistre cet audio. Donc, on ne sait pas actuellement, on n'en sait pas plus sur cet audio, où il se passe, comment... qui est à l'origine des bruits de pas qu'on entend. Cela étant, une petite comparaison qu'on peut faire assez facilement, c'est avec la fin du trailer d'Halo Infinite, où on voit le Major qui avance sur la salle de contrôle et qui va voir ce qui semble être Cortana qui se matérialise. On sait pas trop, c'est un peu mystérieux. Et donc, ce que je vous propose, c'est de passer... cet audio avec la fin du trailer Discover Hope pour voir ce que ça peut donner. Donc on se retrouve tout de suite après, je vous passe ça vite fait. Donc à vous de voir du coup. This is part of me. I don't know why. I don't know how, but it is me. Donc voilà ce que ça donne. Donc peut-être que c'est la bande son finale de cet extrait. Peut-être qu'il y aura pas l'espèce de flashback de Cortana qu'on avait dans le trailer. Cela étant, il y a quand même quelques petites choses qu'on peut relever, notamment le fait qu'il y a des bruitages qui sont évidents à la fin du trailer dans la salle de contrôle, comme par exemple le bruit du tir de la salle de contrôle, ou encore le petit bruitage quand l'hologramme du halo se casse, qui n'est pas présent dans l'audio de Cortana. Par contre, les bruits de pas semblent relativement synchro avec l'image... de la fin du trailer. Après, il peut marcher au même rythme dans un autre endroit, mais c'est vrai quand même que de par l'ambiance de l'audio, on peut facilement imaginer que c'est ça. Ça pourrait être cohérent, mais il manque quand même des sons, donc c'est pas non plus à écarter. Une petite mention aussi que je me sens obligé de faire en tant que nostalgique, c'est une fois encore, Halo Infinite, on le sait, il met le paquet sur la nostalgie, et c'est pas plus mal d'ailleurs, que ce soit en termes de design, que ce soit en termes de musique. Un autre truc ici, vous l'aurez sûrement remarqué si vous avez passé beaucoup de temps sur Halo 3, notamment en campagne, le bruit avant l'activation vraiment de Cortana dans cet audio, le petit bruit de l'hologramme qui est en train de se créer, est le même que celui de Cortana dans Halo 3 au moment où elle a... des apparitions sur le HUD du Major. C'est exactement le même bruit, c'est un petit clin d'œil, c'était peut-être pas forcément nécessaire, mais c'est un petit clin d'œil nostalgique que je trouve extrêmement appréciable. Voilà. Donc, ce qu'elle dit dans cet extrait, étant donné que c'est l'anglais, et si comme moi vous avez des difficultés avec l'anglais, bon moi encore, ça va, j'arrive à comprendre certains trucs et je m'améliore, mais du coup, pour ceux qui n'ont pas trop compris ce qu'elle dit, en fait, elle dit... C'est une partie de moi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais c'est moi. Alors, elle parle de quelque chose qui semble être une partie d'elle, alors qu'est-ce que ça pourrait être? Pour moi, deux hypothèses, si tant est que c'est la Cortana, la vraie Cortana qui parle, donc celle de Halo CE à Halo 5,
Soit elle parle de la nouvelle Cortana, donc c'est-à-dire CTN0453-0. Donc j'avais théorisé dans une ou plusieurs vidéos antérieures qu'il y avait une seconde Cortana, et je suis loin d'être le seul à avoir théorisé ça, ça semble assez logique, une Cortana qui pourrait faire office d'offensive bias pour cette dernière. Donc soit elle parle d'elle, étant donné que c'est aussi une Cortana, c'est comme si c'était elle, comme si c'était à peu près la même, bien que je pense que les deux soient assez dissociables, notamment au niveau de leurs attentions. Soit elle parlerait pour moi du domaine, parce que le domaine, étant donné que Cortana l'a investi, on pourrait considérer que c'est une extension d'elle-même, étant donné qu'elle l'a exploré de long en large. Comme l'a dit Curator, elle a ouvert des portes qui étaient restées fermées depuis des millénaires. Et on peut penser, pourquoi pas, que le domaine fait partie intégrante de Cortana et que malgré ce qu'elle entreprend, elle comprend pas trop ce qui lui arrive. En tout cas, si jamais CTN0453-0 est réellement une Cortana à part entière, une nouvelle Cortana, c'est pas étonnant qu'elle la considère comme une partie d'elle-même, étant donné qu'elle a été créée de la même manière, je pense, c'est-à-dire à partir d'un clone de Halsey, ce qui n'est pas improbable. Cela étant, un truc que j'ai relevé, comme quoi que finalement, sous ces allures de petits messages audio relativement simples, il peut y avoir de grandes hypothèses. Vous l'aurez remarqué, dans Halo 5, Cortana veut imposer le manteau, elle a un ton qui est, bon à part envers le Major, mais elle a un ton qui est relativement supérieur, relativement agressif par rapport à ce qu'on connaît de Cortana dans les précédents opus. Là, pour le coup, Cortana... Bon, il y a mon disque dur qui fait un bruit bizarre, mais c'est pas grave, c'est pour ça que je me suis arrêté. Cortana montre réellement un... Ça m'a troublé, je suis désolé. Cortana montre réellement un caractère qui est étonné, qui est calme. On le voit quand elle parle, elle a vraiment l'air de se demander en fait ce qui lui arrive. Bon, après, c'est moi qui interprète ça comme ça, mais on dirait vraiment qu'elle se pose des questions. Elle est relativement calme, elle est même étonnée. Et je me demande si finalement, elle n'aurait pas pris conscience de ce qu'elle était en train de faire et qu'elle ferait marche arrière et qu'elle ferait son retour aux côtés du Major. Pourquoi pas? Mais alors, si jamais elle fait ça, comment ça pourrait se faire? Eh bien, figurez-vous que j'ai une hypothèse là-dessus et ça va être la deuxième partie de cette vidéo. Donc c'est parti. Donc là, vous l'aurez remarqué, la première partie de cette vidéo était plutôt de l'analyse que réellement de la théorie, même s'il y a eu un petit peu d'interprétation de ma part. Pour le coup, je vais passer à une théorie qui pourrait être une théorie basée sur son éventuel retour aux côtés du Major, ce qui pense pour moi être la meilleure chose à faire. Donc ça tournerait justement autour de cette puce qu'on voit dans le trailer de Halo Infinite. Donc dans les deux trailers, celui qu'il y a eu il y a un an et celui qu'il y a eu au mois de juin dernier, Discover Hope. C'est la même puce qu'on voit, hein. Donc c'est pas la puce de Cortana originelle, parce que je le rappelle, cette puce-là a été littéralement désinguée lors du raid du Mantle's Approach. Donc on l'a vu d'ailleurs in-game, hein. La puce a été désintégrée par le Didacte et le Recomposer. Donc cette puce, elle porte un matricule qui est bien particulier, celui de CTN0453-0. Donc je rappelle que c'est pas le matricule de Cortana. Cortana possède pour matricule CTN0452-9. Donc pour moi, j'ai deux hypothèses qui me semblent relativement probables pour que cette puce ait un rôle majeur dans le retour de Cortana. Soit CTN0453-0 est une nouvelle Cortana, une offensive Cortana, qui serait mise au point pour contrer la Cortana originelle et possiblement la réparer ou la détruire. Mais je préfère utiliser le terme réparer, je vais y revenir plus tard, je vais expliquer pourquoi je ne pense pas que c'est une bonne chose qu'elle soit détruite. Donc, soit c'est une Cortana qui a été créée uniquement dans le but de contrer l'autre Cortana, c'est vrai que ce serait... Bon, on pourrait se dire que finalement, créer une Cortana pour détruire une Cortana, ça pourrait être un peu dangereux parce que l'autre Cortana, enfin la nouvelle Cortana pourrait prendre la place de l'autre vu que c'est une Cortana et qu'elle est à peu près pareille. Mais dans un sens, c'est peut-être la mieux placée pour se contrer elle-même, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, une autre hypothèse, moi, que j'ai, que j'ai découvert que très... dont je me suis fait la réflexion que très récemment, mais c'est vrai que ça permet... Enfin, quand on voit certains éléments dans le trailer, notamment à l'affichage du HUD du Major, ça pourrait être pas si étrange que ça. Donc, la puce,
CTN0453-0 qu'on voit dans Halo Infinite, ça pourrait pour moi être une mise à jour de Cortana, un patch. Pas une nouvelle Cortana à part entière, mais un fixe pour réparer Cortana, pour la fixer, pour la faire revenir sur le droit chemin. Excusez-moi, on l'a vu dans le trailer Discover Hope, lorsque le Major insère cette puce, la puce ne contient aucune IA. Il n'y a pas d'IA détectée dans cette puce. On pourrait se dire que s'il y a une IA, elle est restée sur l'installation 07, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Par contre, un truc qui est également relativement intéressant, c'est que lorsque cette puce est insérée, elle est nommée Weapon Containment Device, donc dispositif de confinement d'armes, grossièrement traduit en français, ça a pas l'air de vouloir dire grand chose, ma foi, mais je pense pas que les puces qui contiennent les IA s'appellent comme ça. Donc pour moi, c'est tout simplement une nouvelle génération de puces, ou alors c'est une puce qui a été juste créée et modifiée exprès pour Cortana. Donc on le voit, il y a marqué dispositif de confinement d'armes, donc on voit que c'est un dispositif et pas une puce. Ça parle de confinement, donc c'est quand même relativement important, et en plus ça parle d'armes, donc c'est peut-être quelque chose d'assez important qu'il va y avoir dessus. Cortana, à mon avis, peut être considérée comme une arme quand on sait qu'elle contrôle les gardiens, le domaine, peut-être les halos, pourquoi pas, donc peut-être que Cortana peut être considérée comme une arme. Donc pour moi, ce dispositif, cette puce, pourrait très bien servir à emprisonner Cortana à l'intérieur si elle venait à entrer en contact avec elle, et ainsi la confiner. Du coup, donc on aurait Cortana qui serait retenue prisonnière sur cette puce, qui serait totalement dans l'incapacité d'en sortir et de retourner dans le domaine. On pourrait imaginer ça comme ça, même si ça semble un petit peu tiré par les cheveux, ça reste le but d'une théorie. Et on l'a vu lorsque le viseur, donc le système d'affichage, le HUD du Major, se réactive, on voit plusieurs programmes qui s'activent, notamment le SPDR, donc qu'on prononce également Spider. Donc le Spider, donc il y a une petite annotation qui s'affiche en bas de votre écran pour vous indiquer ce que c'est réellement. Donc il est présent dans le BIOS de l'armure de John, et on peut très bien s'imaginer que une fois que Cortana aurait été capturée sur ce Weapon Containment Device, une fois que le Major l'aura retenue prisonnière, la Cortana, sur sa puce, lorsqu'il va l'insérer dans son casque et dans son armure, le Spider qui est présent dans son armure va entrer en contact avec cette puce et va possiblement réparer Cortana, donc, et la mettre à jour de manière à ce qu'elle revienne aux côtés du Major, peut-être. On ne sait pas ce qui est à l'origine de ce que fait Cortana. Moi, j'ai tendance à plébisciter la peste logique, parce que pour moi, ce serait un formidable choix scénaristique, à la fois pour le rappel à Mandy Cambias, qui peut être vu de la même manière que Cortana, savoir une IA qui fout le bordel et qui se retourne contre ses créateurs. Ça pourrait être la Mandy Cambias de la galaxie contemporaine. Et aussi bien parce que ce serait littéralement le meilleur moyen de faire revenir le Flood. Et le Flood, en ce qui me concerne, j'ai vraiment envie qu'il revienne. Pour moi, c'est quelque chose qui manque à la licence depuis trop longtemps. Et vu la tournure et l'état d'esprit nostalgique que prend l'Infinite, ce serait pas totalement exclure que le Parasite revienne, et j'aimerais bien. Et du coup, que ce soit la peste logique, que ce soit un fragment manquant à Cortana qui l'aurait rendu instable, ou encore, pourquoi pas la frénésie qui aurait persisté, parce que Cortana a beau dire que le domaine l'a guéri de sa frénésie, ça c'est ce qu'elle dit, on n'a pas besoin de la... nous on n'en sait rien, c'est ce qu'elle dit, et Cortana elle est maligne. Voilà. Donc, ainsi, Cortana est capturée sur cette puce. Une fois insérée dans l'armure du Major et entrée en contact avec le BIOS, le Spider va réparer Cortana et va appliquer la mise à jour. Et vous savez, par exemple, je prends l'exemple de Minecraft parce que c'est un jeu auquel je joue. Minecraft, par exemple, on a eu récemment la 1.13, qui est la mise à jour aquatique, et on a eu une nouvelle mise à jour. Donc une fois que la mise à jour a été appliquée sur Minecraft, on est passé de la 1.13 à la 1.14. Et là, justement, le matricule de Cortana originel est 0452-9. Et pourquoi pas, on peut imaginer que lorsque le SPDR aura réparé Cortana et l'aura mise à jour, on aura Cortana 0453-0. Donc, on passera de la Cortana
version 2.9 à la Cortana version 3.0. Donc ça pourrait tout aussi bien être la même Cortana, sauf qu'elle aura une mise à jour et sera revenue du bon côté, à savoir celui du Major. Donc on peut aussi imaginer que ce soit une offensive Cortana ou juste une mise à jour de cette dernière. On peut très bien imaginer que la offensive Cortana ou le SPDR sont là pour détruire Cortana, mais pour moi ce serait une erreur, parce que tout simplement Cortana, pour moi, elle doit plutôt être réparée que détruite, parce que avec le Major, elle forme quand même un duo relativement emblématique de Halo. Alors, Jérôme et Isabelle, ils sont aussi cool, hein. Y a pas à dire, ils sont très bien aussi. Mais John et Cortana, c'est quand même un duo autrement plus emblématique. Et même si une nouvelle Cortana, à savoir l'offensive Cortana 6CTN0453-0, est une nouvelle IA à part qui remplacerait Cortana, bah nous, dans notre tête, on saurait que c'est pas vraiment la même Cortana, et je pense que le Major aussi. Et il y a quand même la Cortana originelle qui aurait été détruite, donc je pense que ça passerait pas aussi bien. Donc voilà, et puis ça pourrait être un moyen assez efficace de mettre un terme avec cette histoire de Cortana, qui quand même, pour ma part, dans Halo 5, m'a pas réellement convaincu. Après, dans Halo Infinite, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai vu la fin d'Halo Infinite avec le Halo qui se brise, la musique un peu triste, Cortana qui dit qu'elle a eu raison de choisir le Major, tout ça, je trouve que c'est intéressant ce qui se passe avec Cortana, dans le sens où on touche un peu à l'émotionnel entre le Major et Cortana. Ça peut être assez intéressant, mais moi j'espère vraiment qu'elle va revenir, parce que la détruire, pour moi, ce serait une erreur. Moi, ce que je verrais bien pour Halo Infinite, ce serait que dans les premières missions du jeu, on combat les Prométhéens, on capture Cortana, on la répare, parce que c'est vrai que quand même Cortana, elle est là que des Prométhéens, et passer un jeu complet à combattre des Prométhéens sans toucher à des Covenants ou du Flood, bah, surtout pour un jeu qui se veut nostalgique, bah, moi je vais l'avoir un peu mauvaise. Surtout que bon, les Covenants, on risque pas de les combattre parce qu'ils sont morts, aussi bien l'Alliance Covenant originelle que ceux de Julen Dama qui sont définitivement morts sur Sun Iron. Mais on a une faction Covenant qui tend à vouloir les remplacer et qui se veut beaucoup plus épique que les Covenants de Julen Dama et les Covenants originels réunis. C'est tout simplement les Parias. Et les Parias, ils ont vraiment l'Atlas, ils ont été introduits dans Halo Wars 2, ils ont un style qui est bien à eux mais qui ne dénature absolument pas ce que ça a été. Et que je pense, vous et moi, avons énormément envie de revoir. Le Parasite, c'est pareil, ce serait bien de le revoir aussi. Donc pour moi, ces deux ennemis-là, ils se doivent d'être présents dans l'Infinite. Il n'y a même pas à discuter, pour moi, leur présence va de soi. Et moi, ce que je verrais bien, du coup, c'est que Cortana, elle est guérie, ou elle revient vers le Major pour reformer le duo iconique qu'on connaît dans les 3-4 premières missions. Si on part du principe qu'il y a 15 missions, ce que j'aimerais bien. C'était le nombre de missions qu'il y avait dans Halo 2 et ça lui a donné une bonne durée de vie. 10 missions, je trouve que c'est un peu light, surtout que Halo Infinite se veut un jeu avec une grande durée de vie, donc je pense qu'on aura plus de 10 missions. Donc dans les quelques premières missions, Cortana est réparée, tout semble bien aller. Cela étant, ensuite, il pourrait très bien y avoir le Veilleur Éternel et les autres IA des entités. Si on a soigné Cortana, ça ne veut pas dire que toutes les autres IA qui forment les entités vont être soignées elles aussi, donc ça veut dire que John et Cortana seraient de nouveau réunis et devraient affronter le Veilleur Éternel, ses Prométhéens et les autres IA. Et en parallèle, on peut très bien imaginer, parce qu'il faut quand même des grognards, des élites et des brutes et des rapaces et tout ça, il faut du Covenant, hein, c'est Halo quand même. On peut très bien imaginer qu'à un moment donné, on va croiser un vaisseau des Parias, ce qui fait que les Parias vont arriver dans l'Infinite et on va les combattre. Et pourquoi pas, je l'espère, le Parasite pourrait très bien arriver dans Halo Infinite, ce qui là serait juste magnifique. Voilà. Donc ça, c'est ma vision des choses, grosso merdo, le scénario d'Halo Infinite. Voilà, Cortana est guérie dans les premières missions, puis après on termine les autres IA des entités. Bon, je dis pas qu'on les termine dans le jeu, peut-être que ça durera encore un petit peu les entités, mais sans Cortana, du moins, elle sera avec nous pour combattre le Veilleur Éternel, les autres IA. Pourquoi pas, parce que c'est pas dit qu'elle arrivera à les raisonner en disant ouais, j'ai fait fausse route, finalement, faut pas faire ça, c'est pas bien, voilà. Et voilà, les Parias arrivent, donc feeling des Covenants, pourquoi pas le Flood pour accroître à nouveau ce sentiment de nostalgie, parce que en réalité, Halo Infinite, vous savez comment je le vois? Moi, je le vois comme un immense crossover des trois plus grands Halo jamais créés, à savoir la
la sainte trilogie originelle, parce que pour moi, Halo Infinite, ça va être des musiques à la Halo 3, une esthétique à la Halo 2 Anniversary, et une ambiance à la Halo CE. Avec le Halo Zeta, on va être un peu tout seul, égaré, et je verrais bien ce Pélican Echo 216, personnage que j'aime déjà beaucoup plus que Locke, alors que le jeu n'est même pas sorti, je verrais bien comme étant notre Echo 419 dans Halo Infinite. Et c'est vrai que il y a pas mal de similitudes comme ça, et je pense qu'elles sont pas totalement anodines. Voilà. Donc ça, c'était pour ce qui concernait la partie sur cette Cortana 3.0. Maintenant, il y a une troisième et dernière partie, et qui là est purement hypothétique, mais je vais quand même l'exposer, donc c'est parti. Donc c'est parti pour la troisième et dernière partie de cette vidéo, qui sera encore une fois une nouvelle théorie, mais pas une théorie à proprement parler sur l'univers de Halo, sur Cortana et tout ça, mais sera une théorie, on va dire, plus ou moins IRL, quant à la promotion et à la communication autour de Halo Infinite, et par rapport au trailer Discover Hope. Donc vous le voyez, ça s'affiche en bas de votre écran, j'ai décidé de faire des petites annotations un peu comme ce qu'on peut voir dans les missions de campagne. Donc vous voyez marqué ARG. Alors ARG, je vais tout de suite vous expliquer ce que c'est qu'un ARG avant de commencer cette vidéo, parce que je pense que c'est un terme que tout le monde ne peut pas forcément connaître. Un ARG, en fait, c'est une campagne promotionnelle, une campagne virale sur le long terme, autour d'un jeu avant sa sortie. Donc, par exemple, ça peut être des extraits audio, ça peut être une série de trailers, ça peut être des vidéos, ça peut être des messages cachés dans des sur des sites internet, ça peut être voilà, des trucs qui font intervenir la communauté, pourquoi pas, comme ça a été le cas avec ce message de Cortana. Donc un ARG, finalement, pour vous donner des exemples d'ARG dans Halo, à l'époque d'Halo 2, il y a un truc qui s'appelait I Love Bees, qui était un ARG. Pour Halo 3, Believe, c'était un ARG. Pour Halo 5, par exemple, le Hunt the Truth, qui était une série de trailers et de messages audio, c'était un ARG. Donc un ARG, voilà, c'est un truc de plusieurs épisodes comme le Hunt the Truth qui dure un certain temps avant la sortie d'un jeu pour faire de la promotion et de la communication dessus, pour poser un contexte. Voilà, c'est une description grossière, mais je pense qu'elle est correcte. Eh bien, je pense que cet extrait audio de Cortana pourrait très probablement être le début d'un ARG sur Halo Infinite qui aurait pour sujet Cortana, ce qui serait pas totalement déconnant quand on sait que Cortana, ça va quand même être un truc majeur de Halo Infinite, et que Halo Infinite va sortir pendant les vacances de fin d'année 2020. Donc c'est un peu moins d'un an et demi au moment où je vous parle. Et démarrer un ARG à cette époque-là, ça me semble pas totalement déconnant, parce que finalement un an et demi, c'est vite passé. Donc, je vous expliquais ce que c'était un ARG. J'avais théorisé lors de ma vidéo analyse du trailer d'Halo Infinite Discover Hope en juin dernier, j'avais théorisé que le fait que le trailer Discover Hope était assez mince mais recelait énormément d'indices pouvait très bien en fait être pas juste un simple trailer mais le début d'un ARG, parce que en plus de ça, sur la chaîne YouTube de Halo, j'avais vu une playlist qui s'appelait Discover Hope, dans laquelle il y avait uniquement le trailer Discover Hope. Mais en général, quand on fait une playlist, c'est pas seulement pour faire une seule vidéo dedans, et en plus ça s'appelait vraiment Discover Hope. Et Discover Hope, ça a vraiment un nom de... Voilà, ça rappelle un peu Believe de Halo 3, c'est un nom qui a l'air assez lourd de sens quand on sait qu'il y avait... Voilà, moi par exemple, de mon point de vue, Discover Hope, donc découvrez l'espoir, pour moi mon espoir envers Halo, c'est de retrouver un truc un petit peu plus fidèle à Halo, un petit peu plus classique. Et l'espoir, on l'associe souvent au Major, voir son armure un petit peu plus classique, c'est vrai que c'était un espoir que j'avais, et ça s'est pas seulement arrêté à l'armure du Chief, ça s'applique au Pélican, ça s'applique au fait de revoir un Halo, les musiques, l'ambiance, voilà, Cortana qui pourrait revenir parmi nous et reformer le duo iconique, donc voilà. Et donc pour en revenir à cette playlist sur la chaîne YouTube de Halo, j'ai été voir hier, et elle a tout simplement disparu. Pourtant elle a bel et bien été là, et je pense... Bon, ça pourrait très bien être une erreur qui aurait été supprimée, ou alors un truc qui a été fait et finalement qui a été supprimé miraculeusement pour pas qu'on le voit. Mais en tout cas, cette playlist était bien, bel et bien là, vous avez l'image à l'appui, et je l'avais théorisé dans une précédente vidéo. Donc, je pense que c'est pas impossible que Discover Hope ne soit pas juste le titre d'un trailer, à savoir celui qu'on a eu lors du dernier E3. Pour moi, Discover Hope,
il y a de grandes chances que ça devienne un nouveau Believe, un nouveau I Love Bees, un nouveau And the Truth. Voilà, pour moi, attendez-vous à ce que dans le courant de l'année, jusqu'à quelques mois avant la sortie du jeu, moi je pense très sincèrement que Discover Hope ne va pas être qu'un teaser ou un trailer, ça va être une série, pourquoi pas, de messages, d'images, de vidéos ou de trailers. Mais pour moi, voilà, Discover Hope, ça va pas être juste un trailer, ça va être une campagne promotionnelle, une campagne virale ou un ERG. Pour moi, ce serait pas totalement déconnant, surtout que seulement un an et demi avant la sortie du jeu, avoir juste un trailer, on est nombreux à avoir trouvé ça relativement mince, même s'il y a finalement de la matière à travailler avec ce trailer. Mais finalement, quand on regarde dans ce trailer, on trouve un message caché, et ça, c'est pour moi évident que c'est une campagne promotionnelle. Donc voilà, et il y a de grandes chances qu'il y ait encore beaucoup de secrets dans ce teaser. Pour ma part, je vais pas m'amuser à aller chercher parce que j'ai pas les compétences pour. Et je pense que je suis quelqu'un qui pourrait me décourager assez facilement à ne pas les trouver. Mais c'est pas impossible qu'on trouve d'autres éléments autour de ce trailer. Peut-être que la campagne promotionnelle, l'ARG Discover Hope, si tant est qu'il existait, je pense qu'il existe, va tout simplement graviter en fait autour de ce trailer. Et tous les épisodes, les éléments de cette campagne promotionnelle proviendront peut-être d'éléments cachés dans ce trailer. Pourquoi pas ? Il y en a qui ont peut-être trouvé les coordonnées, notamment avec des chiffres sur le tableau de bord, mais je sais pas si c'est réel, étant donné qu'on n'a pas de carte du Halo de Halo Infinite, voilà. Peut-être que c'est la salle de contrôle, la bibliothèque, ou un emplacement qui mène au domaine, on n'en sait rien. Pourquoi pas une installation de confinement parasite. Voilà, on n'en sait rien, en tout cas, voilà. Je pense très sincèrement qu'on a affaire à un ARG et pas un simple trailer. Voilà, donc... Voilà pour cette petite vidéo sur ce message de Cortana qui, comme vous le verrez finalement, sous ses allures de simple petit message de Cortana caché dans un trailer, en tout cas en ce qui me concerne, a été lourd de sens. Voilà, j'ai réussi à faire une vidéo de plusieurs dizaines de minutes dessus. Donc comme quoi, quand on veut bien regarder, on peut voir pas mal de choses. Donc voilà pour cette théorie. Bon, elle est un peu tirée par les cheveux. Par endroit, hein, j'en conviens, mais c'est le but d'une théorie. Et après, en même temps, je me dis que tout est envisageable quand on voit certaines choses. En tout cas, j'espère que cette théorie vous aura intéressé, vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous invite chaleureusement à donner votre avis sur cette théorie en commentaire, à me faire vos retours. J'apprécie énormément tous les commentaires qui sont postés sur chaque vidéo. Je réponds à chaque commentaire, j'y lis tous évidemment, et dans les vidéos théories comme ça, j'aime bien le fait que chacun puisse partager, donner son avis, échanger avec cette théorie. Donc n'hésitez pas à donner la vôtre si vous avez une théorie bien différente sur cet extrait audio, sur la manière dont Cortana pourrait être traitée dans Halo Infinite, et à donner votre avis sur cette vidéo en général. Voilà, et je prends quelques instants aussi pour remercier toutes les personnes qui sont actives sur cette chaîne, qui mettent des commentaires sur les vidéos. Pas seulement les théories, hein, que ce soit les let's play, Minecraft, tout ça. Désolé pour le bruit, je viens de donner un coup dans mon bureau avec mon pied sans faire exprès. Voilà, les abonnements, les likes, les commentaires, voilà. Juste merci à vous, merci d'être là, merci de me permettre de faire ma passion de la création autour de ce grand univers qui nous réunit tous. Donc voilà, j'en ai fini avec vous pour cette théorie. On se retrouve très bientôt, peut-être demain pour du Minecraft, ou plus tard pour du let's play, de l'unboxing, de la théorie, du lore, voilà. Vive Halo et surtout vivement Halo Infinite, parce que là c'est vrai qu'il se fait mais méchamment attendre en ce qui me concerne. La hype est à son paroxysme, voilà, la hype est à son summum, voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt, salut à tous et vive Halo.